L'aile gauche. Longue remise zone neutre pour Montreuil. Tente de sauver seul. Montreuil coupe dans le centre. Le tir du revers. Arrête Poirier avec la main gauche. Un superbe arrêt. Véro revient long de la ligne bleue dans le territoire offensif pour les Olympiques. Passe à Coxette pour Luneau. Il a de l'espace. Tir frappé. Arrête Sigouin. Rondelle libre et le but. La rondelle libre devant lui a été poussée par Métis Rollins. Derrière le gardien, Sigouin, les Olympiques ouvrent la marque. Au centre Vidéotron. Peut-être la rondelle a eu un bon tir frappé qui a d'abord été stoppé par le gardien Sigouin. Peut-être Métis Rollins a touché le disque sur le tir de Luneau. Et à tout le moins, il a poussé le retour de lancer derrière le gardien. Les officiels jugent que ça n'a pas été touché plus haut que la hauteur permise. Et donc, les Olympiques ont Ondel qui demeure dans le territoire des remparts. Au point d'appui, Avrenant du revers envoie vers le filet. Ça dévie. Oh, quel arrêt de Thomas Sigouin. Pierre-Olivier Roy, avait habilement. Nance qui vient à sa rencontre. Rollins perd la rondelle. Malatesta en profite. Il accélère au centre. Se défait de Luneau. Se sauve seul. Malatesta fonce au filet. Le tir. Bel arrêt de Poirier. Rondelle libre au retour. Et c'est Rollins qui récupère. Les Olympiques en transition. Voilà Gadouri. Traverse la ligne rouge, envoie les remparts dans leur territoire. Naus derrière son filet. Oh là là, frappé solidement. Naus à Cormier du côté droit de la glace. Cormier permute avec Naus. 15 secondes à la punition des remparts. Le tir de but! Quel tir de Cole Cormier! Avec du temps et de l'espace, de l'enclave, son tir frappé par Rémi Poirier dans la partie supérieure droite du but. Avec un peu plus d'espace sur la glace pour créer l'égalité 1 à 1. Un excellent tir de Cole Cormier. Aucune chance pour le gardien Poirier. Quelle frappe de Cormier, son quatrième de la saison. Troisième de la saison. Et on poursuit à 4 contre 4. Sortie de zone pour Fillion. Xavier Fillion sur l'aile droite. Sur l'aile gauche, la longue remise pour Rochette avec Warren à sa rencontre. À Caron qui fonce au filet. Le tir et le but! Le tir de Caron a été échappé par Rémi Poirier. Les remparts prennent les devants une première fois dans le match. C'est 2 à 1. Thomas Caron marque son 9e de la saison. Un mauvais but accordé par Rémi Poirier. C'est ce qui peut arriver. Et Rémi Poirier a échappé le tir du capitaine des remparts, Thomas Caron, sur la dernière séquence. Avec une 24 à faire en deuxième, les remparts prennent les devants une première fois ce soir. 2-1, Québec à la marque. Le jeu de puissance des remparts leur a donné du momentum dans ce match des trois punitions des Olympiques. Lui-même, ça mène dans le cercle de mise en jeu. Gaucher tendu une remise devant, c'est coupé. Gaucher à Cormier à la gauche du gardien. Cormier en contrôle dans le territoire des Olympiques, s'avance. Le tir de but! Goal! Cormier! C'est 3-1 remparts. Un quatrième but en trois matchs pour Cole Cormier. Un deuxième but marqué en avantage numérique cette deuxième période avec 27,4 secondes à jouer. C'est maintenant 3-1 Québec. Un superbe tir de Cole Cormier. La puissance du tir des poignets a battu le gardien Poirier sur cette séquence. Intercepté par Cole Cormier. Il a deux des trois buts des siens. Cormier accélère sur la droite, coupe dans le centre. Boum! Collision avec Cavrena. Le long de l'aile gauche, la longue passe. C'est réussi pour Huchette. En entrée de territoire, plutôt Odette, pardon. En entrée de territoire, Rochette à Huchette. Le tir là-bas! Michael Huchette dégaine rapidement. Il bat le gardien Poirier par-dessus l'épaule gauche. Les remparts creusent l'écart. C'est 4 à 1 la marque. Michael Huchette a dégainé rapidement sur la dernière séquence. Il a battu de vitesse le gardien des Olympiques. 4 à 1 au pointage. Une belle passe de Théo Rochette sur la lame de bâton de Huchette qui n'a pas pris de temps à dégainer et son tir précis bat le gardien Poirier dans la partie supérieure droite du but. Un deuxième pour Huchette cette saison. Les passes à Rochette et à la mise en jeu. Gagné par les Olympiques. Rollins le tire, bel arrêt. Coxel au retour et le but. Andrew Coxel récupère le retour de lancer de Métis Rollins et réduit la marque à 4-2. Le tir de Rollins visait la partie supérieure du but. Sigouin a fait l'arrêt, la rondelle a bondi devant lui. Et Coxel réussit à récupérer le retour pour marquer son quatrième but en 7 matchs dans l'uniforme des Olympiques. On reprend 5 contre 5 au centre de la glace. Ce sera Carcel devant Mariel. La voix harcelée par Naus. La rondelle demeure dans le territoire des remparts. Rochette pousse devant lui. Ça mène en zone ennemie. Rochette avec Huchette. Rochette pour Huchette. Le tir est le but! Michael Huchette redirige la passe de Rochette derrière le gardien. Poirier, c'est 5-2 Québec. Un deuxième but dans cette troisième période pour Michael Huchette. Reprenez devant par 3 avec 4 minutes 20 à faire en troisième période. Rochette a été patient, il a repéré son coéquipier Huchette qui s'était libéré du côté droit.
Et de cette façon, les Remparts prennent les devants 5-2. On va reprendre à 5 contre 5 au centre de la glace.